Et salut tout le monde, c'est Burry Days, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Life is Strange Before the Storm. C'est la 18e vidéo et on va continuer l'épisode 3. Et on avance peut-être vers la fin du coup. Enfin du moins, ça va s'accélérer vu la musique. On vient de sortir prestamment de la maison des Amber. Et on va voir ce qui va se passer parce que là, à mon avis, ça va chauffer. Faut rester concentré, ma petite dame. Hein. Ma petite Chloé. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah la vache! Oh le carnage! Oh là là! T'as la face, sacré bordel quand même. Much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So, you probably lied too. Would you love me less? Maybe a little. I'd never want you to love me any less. I might do all kinds of things to prevent that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? C'est parce que je pensais. Oh putain. T'es presque au-delà du réel. Hein. Forcément, c'est la réalité. I wish you told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel. Crazy. Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Tu m'étonnes. Ça va être un véritable carnage, ouais.
Je le sens pas. Je le sens pas. Is that blood? C'est sûrement le sang de Damon Merrick, à mon avis. Que s'est pris le coup dans la. Frank? Frank! I'll get you help, Frank. But first, I've got to help Rachel's mom. Ça a pas un peu brûlé ici? Where the hell is Sarah? Ça brûle à cause de la forêt, je pense. Frank's couch is toast. Tell me what to do. Glad to see the bone made it. No more beer. No more time. I've got to keep moving. A knife might not be a bad idea. Never thought I'd have to say that. Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Je sais pourquoi je le sens pas. Il faut aller où là du coup? Ah, je peux le détruire, je sais même pas. I'm not afraid. That's better. C'est mieux, tu m'étonnes. Oh putain, toutes les poches qu'il y a eu d'un coup là. Ah bah je sais pas ce par là. Sarah's Everything's going to be just fine. Just a little longer and all your troubles are going bye-bye. What the fuck?
I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does he... Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? Whatever James promised you, he's a liar and a cheater. He'll screw you over the first chance he gets. You think I'm a fucking idiot? James Amber came to me because he was desperate. And now, I'm squeezing him for all he's worth. No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? Ho 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 ho. I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry. Rachel can never know.
what exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that Rachel can never know. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here. And you'll take that away from her. Forever. Don't you think the truth matters more? The truth? What's so great about the truth, Chloe? Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I... No loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and was it? I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James.
It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait! Here, Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life, since she was a baby. I gave it to her. She'd want you to have it. Thank you, Chloe. Eh ben. Que de rebondissements. Que de choix à faire. Que je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Compliqué tout ça. Quoi faire. Hello. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right back. Je dois lui dire ou pas lui dire, ça fait chier. Putain, c'est vraiment un truc. Waouh! How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go?
Je sais pas quoi lui dire. Je le sens pas. Faut voir les propositions qu'ils me disent. I've got to tell you something. Ah. Ah la vache. Je crois que je vais tout lui dire en fait. Parce que c'est ce qu'elle voulait en fait. On n'a pas le droit de... Même s'il y a des secrets lourds à porter, on n'a pas le droit de... choisir à la place d'une autre personne. Si elle voulait vraiment savoir la vérité, eh ben elle va la savoir tout de suite. Ok? Est-ce que ça va signer? Non, ça va pas signer sans ça. Peut-être que si. Peut-être que si. C'est passé quoi là? Il l'a tué quoi? Ouais, je crois bien, ouais. Ah, le fameux phare. Corbeau, le corbeau.
Ben voilà, terminé. Du coup, on saura pas vraiment pourquoi elle a disparu en fait. Parce que dans le 1, c'est elle qui a disparu, Rachel. Donc là, on saura pas vraiment pourquoi elle a disparu en fait. Est-ce qu'il y aurait une suite ou quoi? Je sais pas. Je pensais que ça allait. Bon, après. Le fait de lui dire la vérité, peut-être que en cachant la vérité, ça fait peut-être un autre truc. Je sais pas. Peut-être une autre fin, je sais pas. Je pense que je referai un petit. Ouais, je pense que je referai. Un nouveau gameplay avec des choix différents. Voir ce qui se passe, surtout pour la fin en fait. Bon, en tout cas, je vais vous laisser avec la avec le générique et puis on se retrouve à la fin. Peut-être pour noter aussi le jeu, vu que j'ai dit à chaque fois que je finissais un jeu, je note. Donc, vu qu'il y a quand même un épisode bonus encore, mais bon. Ça ne reflètera pas ma note, même si je joue ou je joue pas à l'épisode bonus. Enfin, c'est pas grave, on verra ça juste après le générique. Donc, à tout de suite.
Bon, nous revoilà. Bon, avant de noter le jeu, on va voir ce qu'on a fait. Donc, bien sûr, pour l'épisode 3. Alors, l'enfer est vide. 49%, vous avez dit la vérité à Rachel. Et 51%, vous avez menti à Rachel. Donc, du coup, c'est assez équilibré quand même. Suivant. Alors, vous avez tué la plante avec du soda. Vous avez tué la plante par manque de soins. D'accord. Bon, 70% ont fait mon choix, donc ça va. Vous avez accepté la photographie de David. 90% accepté, 10% ont rejeté. Bon, bah ça va, je suis encore dans les ceux qui ont le fait le plus de... Le choix là quoi. Vous n'avez pas l'argent de Drew en début de journée. Vous avez donné l'argent de Drew à Damon. Vous avez rendu son argent à Drew. Ok, 101%. Vous n'avez pas l'argent de Drew au début de journée. Ok. Ensuite. Vous n'avez pas rendu visite au North à l'hôpital. Vous avez rendu visite au North à l'hôpital. Vous êtes jamais avec Drew pour le pudding. Vous avez joué au jeu de plateau avec Mikey. Vous n'avez pas fait tout ça. Ah d'accord. Ouais. Donc 8%. 8%, c'est une blague. Ah d'accord, il y a 104% qui ont rendu visite au North, mais ils ont pas joué au jeu de plateau. C'est terrible, jeu de plateau. C'est naze, les gars. Ensuite, vous n'avez pas fait de don de fonds au fond de soutien aux pompiers. Ouais, bah en même temps, normal. Attends, j'avais pas de sous. 1% 250 dollars, 4% 1000 dollars et 0% 1250 dollars. Ouais, logique quoi. Mais 95% n'ont pas donné de dons. Ouais. En même temps, je pense que la part des gens, ils avaient pas de thunes. Hein. Parce que je sais qu'à moi, on peut voler des thunes, mais bon. Vous avez révélé à Damon que Thunder était la balance. Vous avez convaincu Damon que Thunder était la balance. Vous avez convaincu Damon que j'ai. Ok, 51% de. Les gens ont fait le choix que j'ai fait. Ça paraissait un peu logique. Et du coup, 77% des gens. Rachel n'a pas rencontré sa mère et 23% ont rencontré sa mère. Ah ouais, que 23% ont rencontré sa mère. Oh, c'est chou. C'est tout. C'est pas beaucoup quand même. Et en fait, je comprends pas comment ça se fait que. Dans le choix de dire la vérité ou mentir, il y a 49%, 51%. Et que le choix et le truc rentre sous sa mère à que 23%. Je comprends pas. Il y a un truc qui cloche là. Enfin bref, pas grave. Ah. Non. Ah d'accord. D'accord. Ouais, en fait, elle s'est fait aussi prendre, en fait, comme ben, dans le 1, en fait... C'est le photographe, enfin, je vais pas spoiler, mais il y a un photographe, un genre de photographe qui tue ses... les gens, enfin les kidnappe en quelque sorte, faire des photos, enfin un psychopathe. Mais je vais pas spoiler le 1, donc du coup, ouais. Je viens de comprendre.
Ouais, donc Rachel en fait s'est fait avoir pareil que les autres dans le 1 en fait. Super. Bon, du coup, on fera forcément l'épisode bonus, mais pas tout de suite. L'épisode bonus, c'est quand ils sont plus jeunes, Max et Chloé. Donc Max, c'est l'héroïne du premier Life is Strange, pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Bon, en tout cas, Life is Strange Before the Storm, c'est terminé. Du moins, la vraie histoire. Donc comme j'ai dit, le bonus, on fera plus tard. Et je vais noter le jeu. Donc j'ai 5 critères en général. Sauf que, bon, intelligence artificielle, c'est noté, mais là il n'y aura pas de notes. Parce que forcément il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Par contre, il y a la bande son qui sera. Notée, le graphisme, le gameplay et l'originalité du scénario. Enfin originalité ou scénario. Donc, on va commencer déjà par le bande son. Que je trouve très bonne. C'est noté sur 20, bien sûr. Bande son, je pense que je vais mettre un 17. Ouais, 17, c'est pas mal. Donc, 17. Graphisme. Aussi bien que le 1. Je mettrai 17-18, je mettrai. Ah, 17. Bien sûr, c'est un graphisme, c'est sûr, c'est pas réaliste, mais je veux dire, c'est un beau graphisme, et puis ça change. Plus dans le côté artistique, de comment ça a été dessiné et tout ça, qui me plaît. Donc voilà pourquoi je mets 17. Le gameplay, je mettrai 16. 16 pour le gameplay. Parce que c'est bon, après c'est un point and click, donc bon, c'est pas très non plus pas vraiment juger, mais bon, il aurait pu avoir des petites améliorations quand même. Et l'originalité au scénario, là je mettrai 18, je pense. 18, c'est pas mal. Donc voilà, donc je vais additionner tout ça maintenant et il y aura la note. Alors, 17. Hop. Donc 68 divisé par 4, ça nous fait 'fface, c'est pour ça. Ah, comment on fait? Comment on fait, bordel? Ah, comme ça. Donc 68 divisé par 4, ça nous fait 17. Donc le jeu 17 sur 20. Une bonne note, je pense. C'est pas mal. Surtout que Life is Strange, le premier, je l'avais noté à 17,25. Donc c'est un tout petit peu mieux Life is Strange 1. Je lui avais quasiment donné les mêmes notes, à part en gameplay, Life is Strange 1, je l'avais mis 19. En originalité, scénario. J'ai trouvé quasiment aussi bien Life is Strange Before the Storm, bien qu'il est plus court que le 1. Mais tout aussi bien. Voilà. Bon, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et on se retrouvera pour l'épisode bonus très prochainement. Donc sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.